dire, utiliser de bonnes stratégies pour combattre le phénomène de sécurité, de bonnes stratégies pour combattre la question kidnapping, de bonnes stratégies pour manier malin, pour penser, pour suspendre les descendre en bas, de mettre la trouble, et puis après ça, c'est petit troisième qui a subi conséquence. Rêtez pour qu'on ait malgré tout, si tu as une victime pendant affrontement entre bandits avec la police qui semblait attacher votre contrôle, rentrer sud capitale là, néanmoins côté phénomène insécurité a principalement qu'à kidnapping a multiplié dans la rue. Espoir encore, même franchement, ça m'a dit nous, les mots me manquent et nous capables de remarquer ça, je ne trouve pas les mots. Donc franchement, mais quand bien même, n'a continué. Garder qui s'appelle le passé, est-ce qu'il y a une solution pour Haïti? Point d'interrogation. L'hôpital Saint-Boniface, et qui a même écrit nous, et pour lancer SOS pour eux, puisque médicaments, ça a été voulu chercher avec le chauffeur, ça, tout le monde te connaît, c'était Eli Blaise, oui, il y a été couru, mais c'est Blaise vraiment, mais c'est pas c'est Eli Blaise. Donc, pour ne pas confondre avec ancien député, directeur collège Eli Blaise dans Carrefour. Donc, malade a souffri. C'est Guy Blaise. Guy Blaise. Ouais. Hein? Malade a souffri, malade sous cabane l'hôpital, malade mérite intervention. Bon, médicaments, yo, pas qu'arriver. Et chauffeur, là, dans mes ravisseurs. Avec toute machine, là, avec tout médicament. Et l'hôpital Saint-Boniface, son hôpital, on dit, et c'est presque un hôpital gratuit. Capre cause, moun qui dans situation compliquée, situation difficile, et nous connaissons l'hôpital général par nous, dans qui est allié. Donc, les moun sa yo, vini des missionnaires, vini dans le pays, pour venir bon nous coup de main, pour venir aider nous. Donc, c'est comme ça, nous avons récompensé yo. Situation li paraît vraiment compliquée. Pendant que y a des moun qui étaient kidnappés, moun sa yo, il a pris du temps. Il est beaucoup capable même rétablir. Et nous connaissons rien, si soin, il a pris en permanence. Chaque monde a posé cette question, comment ça a fini? Est-ce que ça a continué? S'il continue, qui laisse pas le tout pam? Donc tout le monde, c'est la même question. Il a posé cette guerrier. Définitivement, nous avons questionné tête nous, qui ça pour nous faire? Qui ça nous a fait? Qui ça a créé pour faire encore? Donc tout le monde c'est même question. Et puis il y a des gens qui dit pour qui ça c'est la police par le barré et zone ça pour qui ça c'est la semaine les fêtes pendant que tout petit élève l'école ça dans la rue tout le monde a le travail pour qui ça c'est pas un week-end yo profiter faire ça faire mais fait bon et, oui ouais mais la semaine pendant parents descendre avec Simon à l'école et c'est dans moment ça on a le fait et nous connaît même pas réagir donc parce qu'il faut que la police cherchons l'autre stratégie tout hein cherchons l'autre stratégie parce que ça nous fait plusieurs fois et nous on pas capable elle dit si barrer on pas capable qu'on y a faut qu'on y compte les a fait stratégie à pas gasser bandi ou ça et population civile dans pays ça équipé conséquence parce que et initiative hier là s'il pas de fait est-ce que tu as gagné pile monde ça ou dans mes ravisseurs aujourd'hui pour une interrogation bon monde qui pas rentrer la caillou et qui a machine yo prend tout le monde une situation vraiment vraiment compliquée une situation vraiment compliquée yo l'autre fois encore bandi yo défié l'état à travers la police côté la police pas arrivé barré rentré qui menait dans grand ravine yo identifié comme yon dans cachette kidnapping depuis quelques jours là et c'est ça qui était mené situation tension ça hier yon font encore rentré sud capitale là côté n'était cap attendre rafale coup de zam automatique qui t'a chanté particulièrement dans Matissan ak sou bicentenaire côté bandi yo t'a troqué cognio ak la police situation ça vini après force l'audio n'a rappelé fait tentative ou tal barré zone 4e ak 5e avenue dans route qui menait dans quartier Grand nous suivions reportage avec Jean-Georges Blaise. Capitale là principalement zone Matissan bicentenaire qui était impraticable pendant mi-temps journée qui semblait mal passé pour un bon monde qui t'a couru mais devant la voie machine à frapper machine pendant rafale coup d'armes automatique ça qui fait un bon bout de tap chanté entre la police bandit ami qui contrôle l'espace là depuis bien longtemps pendant affrontement ça
ni chauffeur machine, ni piéton qui a des gros difficultés pour te jambé zone sud capitale là comme non kafou pour moins passer 5 départements. Si c'est pour 4 nous ne va pas contrôler. Même qui journaliste, ou pas ou pas t'apprêter, ou t'as couru. Tout ça, 14. Oui, 14. Et t'as l'âge de plus que ça, toujours. De plus que ça. Non, on a diminué. On est tiré loin. Tout le monde, même si c'est le bon match. Et quand je dis premier mi-temps, c'est fini. Deuxième, non. Là, il est parti pour le deuxième mi-temps. Parce que pendant qu'on est là, il a peine recommencé. Il a recommencé là. À côté citoyen Sayo, qui pas de Kajambe rentre sud capitale là à l'aise, l'école qui a fonctionné dans l'environnement obligé renvoyer Timounio avant l'air. Qui donc, activité a affecté tout selon même compatriote Sayo qui a réclamé la paix et la sécurité dans la ville là. Nous-mêmes, nous avons un seul bagage qui paye à la sécurité pour tout le monde libre de fonctionner. Et soit attendez, ou là tout le monde a supposé mettre à l'abri, mettre au couvert. Parce que attendez, tout le monde a besoin de sécurité juste pour fonctionner, pour bailler au libre. Nous avons tout le bagage qui est dans Calio et puis juste, et puis que nous avons besoin de sécurité pour tout le monde fonctionner libre, libre. Et chercher garantie la paix et la sécurité dans l'entrée sud capitale là, en tout cas, force l'ordre semble à prendre temps pour lever des filles. Malgré la police barré zone 4e, 5e avenue Bolos, comme entrée qui mène dans base Grand Ravine, Stanley Jean-Julien, comme leader communautaire dans 3e, nan, pas quoi ça baille trop gros résultat. Monsieur, qui n'a pas parlé l'État, monsieur Damio, pour yo, prenez responsabilité, yo, m'a pas dit continuer parce que yo pas jamais pris responsabilité. Yo. M'a demandé pour yo prendre responsabilité dans la question ça. Pour vous comprendre que c'est eux-mêmes qui ont une responsabilité pour la population en sécurité. Pendant que Nabdio, M. Arméo, il y a une autre stratégie qui a utilisé tout pour vous faire conscient que le pays c'est pour nous tous liés. Que le pays c'est nous tous qui sentons que nous sommes vivables là-dedans. Que les troubles à plagué dans le pays comme ça, c'est nous tous qui sommes dans une situation difficile. Alors je dis à. Je prête bouche tout le monde, troisième circonscription Port-au-Prince, pour me lancer un cri par l'État. Pour me revendiquer pour présence professionnelle de classe. Côté mission, toujours forcé cette direction de l'école privée, la vie avant l'air, côté il y a petit roche, il y a un petit monde qui a fait résistance dans quelques collèges et qui tire roche avec les lycées. Donc c'est la cause, un pile élève blessé. Donc c'est la cause, dans le moment où on a parlé là, il y a quelques directions de l'école qui n'ont donc pas autorisé les élèves près la rue. Il y a une situation qui crée un pile panique à l'entour collège, d'après l'information, professeur lycée ou pas à le travail pour exiger l'État d'aller au petit 4 ans. Par ailleurs, déplorer la situation, ça, parce qu'ils estiment que c'est mauvaise foi pour les professeurs de l'école qui décident de bloquer l'année l'école là. Ils estiment, donc, depuis 3 années, l'école n'est pas fonctionnée dans le pays d'Haïti, l'école Massi Clopé Copain. Et, dernier moment là, ils n'ont pas qu'à décider de bloquer l'école là pour faire TICAP. Entre-temps, notre intervention n'a pas connu, et donc, depuis bien des jours, le national nous dit appelé débloquer dans le niveau Bellevue avec la KIL, dans le sud de l'Ouganda. C'est moins la population qui a pour le vendre courant électrique. Situation ça, la cause route nationale a toujours paralysé, citoyen Bellevue à Platil, déplore le fait que courant fauché il y a quelques mètres de typhon, alors ce qui est dans plein 21e siècle, il continue à servir avec l'ampe candidat, n'a pas rappelé, ancien député Jean-Michel Hippolyte, qui fait un don pour tout triplex avec citoyens dans une lacune et gros les organes, jusqu'où là, il y a refusé de rentrer courant et dans un taille, pendant qu'il a déclaré, il a continué à rester sous béton. Monsieur politique qui est entrepreneur de Luc François, il connaît son nom Louco, qui m'a dit tout ce qui est dans le pays à mettre ensemble pour éviter le pays d'Haïti plongé puis plus dans la situation difficile. Homme d'affaires, montrer tes charges gagnées parce que le pays a tourné l'enfer. Pour petit prix, côté personne n'a qu'à vivre avec déposé, Luc François souhaite gagner conscience qui dégage dans le tout secteur, donc spécialement le monde qui n'a pas pouvoir, et si là, qui est en opposition avec le secteur privé pour retirer le pays d'Haïti dans la situation liée parce que Haïti presque éclaté. Il faut que le pays a primé avant toute bagaille. Luc François a déploré mauvaise direction pour voir en place là parce que pour y estimer le président Jovenel Moïse, décidé de mettre de côté tout le monde qui était sacrifié pour le pouvoir, pour capable de servir avec un sérieux argentin. Joseph Anel, Tibouan, Caraïbe. Merci un peu, Anel. Joseph Nanville, Saint-Marc, Marc-Joël.
élèves qui sortent dans plusieurs lycées publics dans la ville Saint-Marc, parmi eux élèves lycée bicentenaire Seigneur Vincent manifesté hier pour continuer à exiger présence professeure dans la salle classio. Nous pourrons le rejoindre depuis Saint-Marc, Nixon Deneus, qui les mêmes fans qu'on est, Timounio, qui dans la rue, a dit nous pas les âmes, nous voulons éducation. C'est le slogan qui était fait parcours manifestation ça pour être capable de demander plus bon qualité éducation. Plus de détails avec Nixon Deneus depuis Saint-Marc. Élèves lycée bicentenaire Sténo Vincent avec plusieurs l'école publique manifesté dans ville Saint-Marc mardi 20 avril 2021 pour réclamer présence professeure dans salle de classe yo pas joine depuis plus passé 2 semaines. Lycéens ak lycéennes sa yo qui sillonné différents coins dans ville là dio bouquet agent de situation ça qui presque répété chaque année alors que y a bien pour subi examen tant cou tout l'autre élève privé. En pile nan yo t'a tenté fermer porte plusieurs institutions privées pour joindre solidarité yo, mais la police t'est dispersé yo en bagage lacrymogène. Yo fait qu'on est, y a continué occuper béton tout autant professeur yo pas retourner vin travail. Il faut que l'école la lague parce que je dis à nous même la lague voilà qu'elle est déjà c'est bon. Même j'ai pas bien école lié là. Nous même dans la rue parce que nous même qui c'est élève lycée. Nous besoin professeur, nous besoin travail. Imagine on va faire la toi. Nous même yo paye non pour ça. Nous pas qu'un professeur. Et même professeur qui travaille dans lycée yo. Nous même quand nous jouer n'a travail dans collège. Et même après nous prend la rue nous même pour nous revendiquer droit nous. Nous dit tout professeur qui pas travaille yo. Puis on prend responsabilité pour travail parce que nous c'est lycée. Et nous même malgré on la gagne nous mais nous qui berre dans la rue. Nous dit pour ça que faut lycée on des professeur qui vient travailler là-dedans. Et puis nous même lycée nous pas gagne bail. Tout autant collège on pas lycée pas travail. Et collège pas casser. Les autres fait nous dans la rue je dis c'est parce que professeur pas venir travail parce que y a mandé y a revendiquer carte de débit non seulement de ça nous t'ai plusieurs jours plusieurs mois et professeur va nous faire coup et dans NSO nous sibion choc qui va bon pour. Yon nan enseignant yo qui te répondent présent dans manifestation di au campé travail pour forcer responsable au niveau ministère l'éducation nationale à formation professionnelle respecter engagement vis-à-vis enseignant yo qui c'est paiement arrêt de salaire lettre nomination à cadre débit. Nixon Deneus depuis Saint-Marc pour Radio Caraïbes. Le Saint-Marc n'a pas le recevoir deux trois citoyens qui passaient ouen là qui pour que nous capables mettre fin à journal là et permettre Jaco prend place mais avant ça ben nous attirer attention premier ministre comment Claude Joseph hein, puisque gagnait jeune Sayo qui eux même t'ai bénéficié bourse excellence hein, depuis dans l'année 2016 lorsque Enex Jean-Charles t'ai metté sous pied dans primature là un programme bourse excellence qui visait honorer et récompenser lauréat dans examen baccalauréat yo et ben t'ai gagné un arrêté qui était sorti 26 octobre 2016 pour bail programme dans statut juridique avec légali. Première année, hein, toute bagaille était bien passée, mais depuis l'année 2017, c'est un calvaire, hein, jeune Sayo, qui lauréat. Oui. A monté parce que yo pas ka l'état pas payé à temps pour yo et yo dit dans l'année 2018 gagne deux là-dedans qui était venu dans la presse gagne Hugues Joseph qui t'a demandé yo pour yo t'écrit lettre excuse pour pas mettre yo dehors dans programme là parce que yo t'a demandé pour que l'état fonde Jean pour payer université à pour yo. Donc yo dit dans l'année 2019 là péripétie ont continué juste dans la presse yo t'est venu encore pour que yo t'est capable payer pour yo. Depuis le ça, primature pas jamais payé yon goud pour nous l'école yo ni yo pas ban nos frais subsistance yo gena nous qui doit 2 années l'école gena nous qui doit 1 année yo humilié nous dans en pile dans université nous yé yo la gen examen en pile dans nous à vivre pour compte nous dans Port-au-Prince sous espoir ti frais te kon ban nous an. L'état fait yon l'année, 2 l'année, li pa banon. Donc, nous avons gros tête chargée. Jeune Sayo, qui était lauréat, nan examen philo yo, yo mandé avec autorité yo, PM Claude Joseph, pour permettre que Tiko Blanc al jwenn université yo, pour yo capable suspendre, humilier yo. Hein, n'a mandé la pour Timoun jwenn bous pour yal l'école, mais Sayo même qui était lauréat, mais l'état pa vle payer pour yo. Oui. Ouais?
l'État pas voulait payer pour eux, c'est... Nous voulons changement. Oui, et puis nous voulons pour le pays ça change. Haïti donc, changé. C'est pas et possible. Pendant que cadre nous, compétences nous, et comme ça, il y a vilipendé. Oui, c'est pas possible. Et nous avons parlé des documentaires, nous avons suivi sur Madagascar. Non seulement, si nous avons mis université à disposition pour le pays, sans yo pas bailler un goût de l'esco. Mm-hmm. Et si là yo pas même vle rete dans pays yo qui vle faire étudio à l'échelle internationale, yo accompagne yo et yo pas même forcer ti moun yo même. Ti moun yo gen nécessité pour yo tourner vinn servir pays yo. L'état attend yo et puis nous même pas nous yo. Regardez comment on a privilégié. En tout cas, la valorisation de l'être, ça pas existé prix excellence passé en papier. Bon comme Claude Joseph lui-même. Il fait plus temps l'école qui est en pile dans l'autre nègre qui passe, pour madame Dola. Non, non, quoi la prendre en considération. Je pense que si vous faites plein sur vous là, pas grand chose fait pour vous, donc il va besoin de mettre des points. Font gens pour permettre que Timon Yo, l'université, rejoigne l'argent. Timon Sao qui était lauréat, sorti 2016 jusqu'à aujourd'hui, donc l'université en pile là-dedans, pas payé, et gagne tout qui gagne, mémoire, il fin préparé, il n'y a pas qu'à présenter, ou bien il n'y a pas qu'à soutenir, ni il n'y a pas qu'à prendre diplôme, yo, parce que l'école n'y pas payé. Bon, monsieur Voakier, ça va. Oui, bonjour. Salut, nous, monsieur, comment nous y est spécialement, salut, Bobsé, pour l'initiative exactement. Concernant affaire Boost là. Et bien content peut-être journal a fini sous notre ça qui c'est affaire université hein? Et importance éducation ta douille en Haïti, n'a pas calculé bien peut-être 20 dernières années là-haut, éducation paye du force que le derrière. Et une activité que monsieur Bobsé mettait sous pied. Hein? Nous venons aujourd'hui hein, pour nous venir offrir 10 boosts de ses représentants America English School. Oui, America English, America English School. Il est situé Piwoul, lycée Firmin, oui. Et dans la première avenue du travail. En fait, il y a deux annexes. Il y a un annexe qui est dans la première avenue du travail et puis il y a un annexe qui est dans Delma 35. Nous venons matin, hein, nous portons 10 boosts, nous ne portons pas 2 boosts. Nous portons 10 boosts. Okay. Nous venons faire cadeau, ça ne fait cadeau. Okay. C'est-à-dire, nous ne venons pas faire film, nous ne venons pas peut-être. Il n'y a pas nécessaire pour nous prononcer sur eux, mais nous portons 10 boosts. Et America. C'est une école anglaise qui l'a depuis 1979. Tout le monde qu'on avait. Et aujourd'hui, on l'a fait environ 42 ans. Mm-hmm. America représente un patrimoine. Oui. Et il y a une pile l'école anglaise de nos jours qui existait, ils sont sortis d'America. C'est-à-dire, mm-hmm. ensemble de responsables, c'est les gens qui étaient étudiés anglais America qui viennent de l'école. Yeah. America présente 10 bourses aujourd'hui. Hein, et sur certains 10 bourses aujourd'hui, hein, à l'avenir, c'est 10 bourses. Cap vin posséder institution qui a rapport avec langue anglaise. Yeah. Bob, c'est en pile félicitations. Merci. Parce que de nos jours, dans le pays d'Haïti, mm-hmm. bon, pas d'amener aucun monde prend mal, ça me dit, Bob, c'est font travail, peut-être, beaucoup de monde fait. En pile journaliste, là, en pile chroniqueur, en pile analyste politique, etc. Mais Bob, c'est font travail, côté que le ministre, il met ton initiative pour le bail jeune bousse. Moi, en tant que nous représentant. Seulement nous identifier problème, non? Et nous proposer solution avec autorité et nous engager. Nous. Voilà, là, voilà, là. Voilà. Et monsieur, excusez si je prends quelques secondes en plus parce que je connais l'activité au terminé. Et nous féliciter en même temps monsieur Patrick Monsignac qui mettait le bout de Tonton Radio à sous pied. Nous féliciter Stafflan. Nous féliciter ensemble de responsables de l'école qui est l'American English School. Là. Et nouvelle session, elle démarre exactement 10 mai 2021. Mm-hmm. 10 mai 2021. Et puis, prix étudiant qui joue une bourse à bien pour bailler, c'est seulement un frais de 3000 gouttes. Okay. Seulement ça. En rien, absolument en rien encore. Bien. Nous n'avons pas d'activité de mettre sous pied pour le monde venir lorsque l'arrivé et puis qu'on l'autre prix ou à l'île, qu'on l'autre frais ceci, celui-là. Mm-hmm. Ok, d'accord. Inscription, tout inscription c'est combien? Au fait, d'abord, il baille seulement frais de 3000 gouttes là, de tout entrer dans inscription tout bagaille, oh, net, net. La joue premier livre la donne, yeah. pas reste livre, non. La joue badge la donne, la joue tout bagaille ça. L'île là pour faire un an sans le papa yon piasse encore. Okay. D'accord, on attend tout le monde qui est intéressé dans la nouvelle session. D'accord, okay. merci. Et puis nous avons M. Anderson avec nous, oui. qui a dit quelques mots, quelques secondes tout rapide. Oui, oui. M. Anderson, oui. qui est ancien dans l'école là. Oui. Ok, actuellement, pour apprendre l'anglais, son bac est simple. Mm-hmm. Ok, knowing English is a passion. Ok, speaking English is a passion. Yeah. Coming to America to learn English and to speak English is the yeah. best advantage you can have in Haiti because Haiti is our country. All right, okay? All right. And it's, we have a lot of love for our country. Mm. So come to America to speak English and to learn English because okay. we are here for that. Bon article, bon français traduction. Mais anglais au Cap en Sud America, okay? Okay. Haiti c'est pays nous. Okay? En Amérique nous là pour apprendre nous.
meilleur anglais. Oui. C'est comprendre anglais, fait, parler anglais. En fait, bon, c'est forme tout ça. Et l'anglais, c'est un petit genre lourd. Oui, 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 c'est bien. Lourd. C'est bien, c'est bien. Ouais, okay. Mm-hmm. Mais quand même, ça me fait comprendre. Et un jeune qui vivre, il a intérêt pour l'embrasser langue ça parce que actuellement là monsieur Bobsy à travers le monde tout le monde qui parle anglais bébé ah oui c'est vrai on parle anglais bébé et ceci nous pas venir dire américain c'est meilleur mais mon cher nous travaillons pour ça d'accord merci d'accord merci nous d'accord et monsieur Bobsy et coupons là discoupons là merci et que ben monsieur guerrier premier an dit ça yo il y a passé côté après madame nous va libérer d'accord merci d'accord analyse même bonjour nous saluons tout le monde sur panel là Bobsy. Et nous saluons tout auditeur, nous saluons le parti de SIAC. Et bien nous là, c'est une capacité d'engagement en Bobsy. Il y a un gros programme qui a lancé. Et que nous connaissons dans les conditions pays nous avons aujourd'hui. Et en plus, les jeunes sont à l'école, mais ils ne sont pas capables. Dans le cadre du programme, ça, nous sommes passés déjà à Bobsy. Et nous passons pour nous capables de faire plus clair. Parce que c'est un côté nous avons des gens qui ont un petit problème. Là, il y a une quantité de communes à payer. Il n'est pas salé. Oui. Eh bien, nous, même l'université Jean-Paul, c'est annexe d'Elma 33. Mm-hmm. Eh bien, nous passons. Nous avons essayé. Mais nous avons pour le payer 5 000 $ pour le eh bien, nous avons pour le payer 500 $ seulement. Oui. Toute année. Pendant toute année. Oui. Nous avons toujours payé 500 Jean Price Mars, toute année, 500 $. 500 $. Correct. Et nous tout profiter, Bobsy, nous faire promotion ça, ou bien session ça, c'est session Bobsy, ou bien session Grand Boulevard. Ok. Avec l'autre monde qui voulait, vous capable de passer dans un côté nous hier. C'est ça. Et bien, vous capable de payer ça. Eh bien, nous-mêmes, nous toujours qu'un bémol, nous tous saluer le directeur départemental là. Eh bien, dans mes villes. Mais là, nous avons commencé, mais c'est lui-même qui a signé le premier papier pour nous. Ok. Et nous profiter moment ça, tout parce que éducation sans éducation, côté nous voulons aller à nous pas arriver, Bobsy. C'est ça. Eh bien, Bobsy, puis nous connaissons le ministre de l'Éducation nationale là. N'a pas souhaité que route li prend pour le Kembel surtout nous pas connait parce que nous li fait un premier concours pour inspecteur et ils font un concours pour professeur. OK. Parce que si n'a formé professeur nous pas qu'à prendre trois grains uniques nommés. C'est l'année sur l'école c'est qu'on a chita prend plus nous écrit parler on ça n'a point même puisque l'autre l'école centre de l'éducation c'est école normale puisque nous fait concours et bien laisse ça n'a bail l'école la plus valeur cap descendre chaque jour mais n'a monter dans niveau de aller. Et bien bon c'est merci en pile. D'accord. Merci monsieur Boulevard. Nous remercions également. Merci avec toute équipe Université Jean-Price Mars. D'accord. C'est Delia Berman, c'est directeur annexe d'Elma 33. Très bien. Merci. Oui. D'accord. Madame, bonjour. C'est, vous regardez, Centre d'apprentissage professionnel, Nursing School. Bonjour. Bonjour, bonjour à toute panel et Radio Caraïbe. Que nous prenons un programme sans encore, mais c'est un bel programme. Côté que nous prenons l'éducation parce que nous prenons un pays, on ne peut pas avoir un pays sans l'éducation. De ce fait,